prochain objectif, ce serait de fouler la pelouse de la Meno. Porter le maillot du Racing, c'est comme une fierté. C'est le club de notre région. Et vraiment, de jouer pour ce club, c'est quelque chose de magnifique. Ici, je le dis, c'est chez moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de tout donner pour ce club. Fouler la Meno, pour moi, c'est devenu un objectif et un rêve. Match contre Sochaux, on a su ce que c'était vraiment un match de coupe. C'est un match coupe-presse et tu gagnes, tu continues, tu perds, tu sors. Dans une aventure comme la coupe, on retient que le résultat. Et s'il faut passer 6 fois au pénalty, on passera 6 fois au pénalty, on retiendra que la victoire. Allez, allez, en place. Elle a commencé au mois de décembre à Sochaux avec une victoire au tir au but. Donc c'était match nul, donc on l'a pas gagné dans le jeu, on l'a gagné au tir au but. Donc déjà là, on avait déjà cet avertissement que contre les centres de formation, ça allait être difficile. Ouais, une entrée en matière difficile quand même parce qu'on concède le 1-0 contre Sochaux. Et après, on égalise, on revient à 2-1. Et sur une erreur qu'on peut éviter encore, ils mettent le 2-2 et ça finit au tir au but. C'est-à-dire on est passé et là, c'était un bon avertissement. Là, c'est la coupe, il n'y a pas de match aller, match retour, c'est tu perds, tu sors. Après, ça nous a permis de nous mettre dans le bain et je pense que ça a quand même fait la différence pour les prochains matchs. Dans le salon, on est allé avec la même mentalité qu'à Sochaux et encore plus une mentalité de vainqueur parce que ça finit au tir au but, on ne voulait pas que ça se confinisse au tir au but. C'est-à-dire on n'a pas pris à la légère ce match, on y est allé comme si c'était un gros. Ce match-là, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on avait du mal un peu. Mais ensuite, on a déroulé, on a joué notre jeu et ça l'a fait. Bravo messieurs! Bravo partout! Endormi, vous êtes endormi à l'échauffement, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. On vous a dit hein, toute la semaine, on vous a dit avant, hein, on est meilleur, on est bon. Oh, c'est qu'avec la sueur hein, et c'est la niaque et c'est l'envie, hein, et c'est ça qui va faire déterminer tout au départ. Hein. Gagner ses duels, après on pense ballon. Et quand on a le ballon, on est concentré, on est appliqué, on sait ce qu'on va faire avec le ballon. Le rôle de capitaine, je le prends très à cœur parce que vraiment, ça montre la confiance qu'il y a le coach envers moi. Je dois montrer l'exemple et on va dire guider l'équipe vers la victoire. C'était un très beau match. C'était le premier match à domicile que je jouais en Gambardella. On se sentait bien. À la mi-temps, on gagnait 2-0. C'était un bon match, on jouait bien. On a 45 minutes.
2-0, on est loin encore. On est loin. On repart 0-0. Rigueur défensive, un bon bloc. On conserve le ballon et quand on peut faire mal, on fait mal. Plus de présence, les choix devant aussi. Coup de pied arrêté, excellent, continuez comme ça. On est dangereux sur les coups de pied arrêtés. Continuez comme ça sur les combinaisons, on est très bien. Continuez comme ça. Oui, pendant les 50 premières minutes, tout allait bien. Mais ensuite, je pense qu'on est tombé dans la facilité après le troisième but. Comme on se dit qu'il y a 3-0, bah, l'adversaire va plus y croire. À 3-0, on se dit, voilà, on tient le match. Mais voilà, un match de coupe, c'est jusqu'au bout. Relâchement, j'ai senti à partir du moment où on a pris le premier but parce qu'il n'y a pas eu de réaction de la part de aucun joueur, j'ai vu aucune réaction et même moi, il fallait pas réagir comme ça, fallait qu'on ait plus faim que ça. On avait l'impression, nous, de dehors, que c'était quelque chose de normal alors que prendre un but, c'est pas quelque chose de normal dans un match de foot. On se prend un gros coup sur la tête parce qu'on menait 3-0 et ils reviennent à 3-3 et c'est quelque chose de dur. Quand on prend le 3-3, je me dis qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour que ça s'arrête maintenant. Ça aurait été catastrophique parce qu'on a fait une vraie première mi-temps et ça aurait tout gâché. Ben là on se dit attention, reposons, remettez-nous derrière, bien défendre, être un peu plus agressif sur le porteur. Je voulais tirer comme j'avais tiré à Sochaux. Genre, je pose le ballon, j'attends que le gardien se place. Ouais, très peu d'élan. Après, je voulais faire ça pour surprendre un peu le gardien. Mais du coup, je pense qu'il a regardé les vidéos contre Sochaux. Je pense qu'il est parti du bon côté et il a arrêté. Le raté, vraiment, je me suis pris un gros coup sur la tête. Bien sûr, je pense que maintenant on ne doit plus se cacher, on est un des favoris, on est bien placé en championnat. En coupe, on a sorti une belle équipe de Montpellier, voilà. Maintenant c'est à nous de tout mettre en œuvre. Je vois quand même un match très compliqué. Pour le moment, d'autres disent que c'est un bon tirage, mais non, on ne pourra pas dire que c'est un bon tirage. C'est à la fin du match, si on est qualifié, on pourra dire que c'est un bon tirage à nos faveurs, mais pour le moment, je pense que c'est un match, il peut y avoir des surprises.
Je les sens bien, je les ai bien sentis cette semaine, je les ai bien sentis. À eux de faire ce qu'ils savent faire depuis le début et normalement ça passera. C'est vrai que je suis très déçu. Voilà, je devais jouer. Hier, je laisse mes coéquipiers à cause d'une vieille action à l'entraînement. Mais bon, c'est comme ça. Là, je vais suivre le match et je serai de tout cœur derrière. Trop grands, ils sont trop, trop vieux. Des micros, ils sont trop vieux. C'est l'âge. La retraite. Hein. fin de carrière. D'entrée, on sait que c'était. Alors, c'est pas un centre de formation, mais c'est une équipe qui évolue en national et l'équipe 1 elle est aussi en national, donc c'est un club qui est amateur pro à peu près. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on revient et sur un coup de pied arrêté, on le joue à deux. Abdoul il centre au deuxième poteau. Canfori il a touche de la cuisse, mais il la met pas au fond, c'est-à-dire la balle elle est entre moi et le gardien. Le gardien il sort, mais moi je tacle et je lui touche le dos. Au début, l'arbitre il met carton jaune. Et ensuite, il voit les traces dans le dos du gardien. Et ensuite, il met carton rouge, je retourne au vestiaire. Caractère. Après c'est ce qui fait un peu notre équipe parce que on est une équipe vraiment on joue pour déjà pour nous. On montre que vraiment on est soudés, on est une bande de potes. On était KO, franchement on était KO. Quand on a pris le rouge direct il fallait faire les efforts et il fallait se battre pour toute l'équipe. Ça bon, on l'a fait. On était courageux et voilà on a gagné. Ouais, c'est parce qu'on a remarqué si les corneaux offensifs ils montent tous et ils mettent qu'un joueur derrière. Et après le gardien a récupéré la balle, il m'a lancé en profondeur et je suis parti, ça m'a souri et c'est le plus important. Je pense qu'on a su bien faire les choses et sur une opportunité, et ben, on a su concrétiser comme il fallait. Et aujourd'hui on ressort avec une qualification et c'est tout ce qu'on retient. Ah,